sérieux le jeu. Par contre, clé simple, je pense que malheureusement, je ne vais pas en avoir. Ou alors, peut-être qu'il y en aura une plus tard, mais... En ce moment, j'ai l'impression que toutes les clés simples, je les ai déjà prises. Hein. Merde. C'est pas ça que je veux, moi je veux trouver le truc avant. Et à mon avis, lui, vu que c'est un boss, s'il te donne les cocons avant, à mon avis, c'est pas pour rien. Ah, mais en plus, c'est un boss, purée, j'aurais dû prendre des. J'aurais dû prendre ce qu'il fallait. Bon, je suis un peu bête. Allez. Ah purée, j'ai gardé le truc de flux en plus. C'était facile, ça va. Oh, par contre, il m'a enlevé 6 points de vie quand même, le gars. Hein. Incroyable, j'ai été vaincu. Donc cela, c'est cela que l'on ressent après avoir été vaincu. Néanmoins, je suis fort, n'est-ce pas? Quand vous verrez notre roi, vous lui parlerez de ma bravoure? Oui, il vous a sûrement envoyé ici pour me mettre à l'épreuve, n'est-ce pas? Je savais qu'il n'avait pas oublié ce brave Galien. Je suis prêt à vous rejoindre, frère. Vous et moi, quittons cet endroit. Ensemble. Ah, que 200 par contre, c'est un peu abusé. Enfin, quoique, en vrai, il était pas si fort que ça, mais... Ah, du coup, en fait, il n'y a plus que les boss à affronter, quoi. Mais visiblement, cette zone, on a tout fait dedans, donc ça sert à rien d'y rester. Il reste les jardins de la reine... Il reste les masques, hein. Enfin les badges que j'ai toujours pas fait. Bah sinon après on peut aller là aussi. On va d'abord... Il y a le Colisée des Fous aussi. Hein. Colisée des Fous ça peut être pas mal. Hein. Alors, on peut aller à Cité des Larmes pour aller au sanctuaire de l'arme. De l'âme, pardon. Et faire le... Le boss. En vrai, on peut faire ça. Bon, est-ce qu'on va faire? Mince. Oh shit shit shit. Oh.
Alors déjà, on va enlever des trucs. Je pense qu'on peut enlever ça, on peut enlever ça. Après, le fait de jouer... Est-ce que jouer magie contre le gars? Non, le truc de Fluck, sachant qu'il arrête pas de voler, c'est pas très utile. On peut faire ça et ça. Il faudrait un truc en plus. Ah, maître de l'aiguillon. Non, je pense pas que maître de l'aiguillon, ça soit si fort que ça. Par contre, ça peut être utile. Qu'on est là. On commence à connaître un peu par cœur le la cité. J'aurais deux coups par contre, hein. Certainement pas par là. Attendez 30 petites secondes. Voilà. Ah ouais, il n'y a pas de banc à côté. Hein. Bon après ça va être en mode rêve, donc ça devrait le faire. Tyran de la mort. Oh là là, qu'il est chiant. Ah non, en plus je perds toutes mes âmes. J'ai oublié ce truc là. Par contre, visiblement, je ne prends plus que un dégât. Est-ce que c'est parce que j'ai la marque du roi ou... Ça, hein? Sérieux là.
Ah, dommage. J'ai été un peu trop présomptueux. En soi, il est pas dur, hein, franchement, quand je compare par rapport à... au vaisseau corrompu, ou enfin au proche disparu, ou au chevalier. Ah, ou alors peut-être qu'ils sont peut-être moins énervés en fait quand on a la marque du roi. Quel boulet. J'essaye de me concentrer. J'aurais bien aimé qu'on affrontait une version plus élevée des mantes. T'es sérieux? Ah merde, quel boulet. Non, alors deux fois là. Oh, sérieux? Merci les ailes. Hein. Oh non. Yes!
Ah, bien joué. Allez, mange. Ah oui, c'est vrai. Ok. J'avais plus de points de vie, c'était un peu compliqué. Oh non, non, non. Le saut qui voulait pas s'enclencher. Gratuité. Ah, quel boulet. Déjà me prendre des dégâts gratos, c'est pas ouf, hein. Je pense que ça s'apprend. D'accord, il m'a feinté. Oh! Pas être trop gourmand. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais merde, qu'est-ce que je viens de dire? Mmh.
Oula, 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 calme-toi. Voilà, mange. Alors, on se régène. Hop là, et du coup, on peut y aller. Voilà, parfait. Par contre, 4 points de dégâts. Hein. Et il est mort à l'opposé, carrément. Je pouvais le voir dans mes rêves, le salut du royaume, le remède contre ce fléau. La réponse était à l'intérieur de cette âme qui anime nos corps. Mais le roi, pourquoi? Il s'opposait à tout ce que je faisais. Sa jalousie, sa folie, en se dressant contre moi, il m'a dépourvu de mon immortalité. Maintenant, le roi et son royaume sont morts, mais moi, je vivrai pour toujours. D'accord. Je suis à combien, là? Ah, purée! Il manque pas beaucoup. Quoi? Bah... Ah, peut-être parce que je suis dans une salle de boss. Ah, c'est ça. J'étais dans une salle de boss, c'est pour ça.